Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement dans cette vidéo je vais vous présenter le défi suivre la carte trésor trouvée à Dusty Divo. Donc tout simplement je vais vous montrer l'emplacement exact de l'étoile secrète de la semaine 7. Alors avant tout je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, je mettrai sa chaîne en description parce que j'utilise son compte pour faire les défis et pour vous les présenter. Donc merci à lui et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors tout simplement je vais lancer en solo et on va aller chercher l'emplacement, enfin on va aller chercher l'étoile secrète de la semaine 7. Donc tout d'abord je vais aller chercher l'emplacement de la carte au trésor parce que j'aime bien aller chercher la carte au trésor avant d'aller chercher l'étoile secrète. Donc elle se trouve dans deux niveaux, je suppose qu'elle se trouve pas au hangar, je suppose qu'elle se trouve en plein milieu. Donc on va aller tout simplement sauter en plein milieu et chercher après cette carte au trésor. Donc regardez bien ce totem avec les branches d'arbres qu'il y a devant lui. Et regardez bien les trois arbres derrière. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait la carte au trésor, elle représente justement ces totems et tout ça. Donc voilà, on va chercher après la carte au trésor. Carrément elle est là. Ok, nice. Donc voilà, la tête elle est ici. Donc les trois branches que je vous ai montrées, les trois arbres. Et l'étoile secrète, elle se trouve au milieu des trois arbres. Regardez, voilà. Les branches et tout. Alors maintenant, je vais vous montrer l'emplacement exact. C'est justement ici que je vous ai montré. Quand vous faites un zoom, vous voyez la tête en pierre de totem. Et puis ici, vous avez les branches d'arbres. Et là, il y a l'étoile secrète. Donc deux secondes, parce que là, il y a un ennemi près de moi. J'espère qu'il ne va pas me tuer. Si, il m'a tué. Donc c'est pas grave, je vais tout simplement relancer la partie et je vais directement aller à l'emplacement exact de l'étoile secrète. Donc voilà, là j'y retourne. L'emplacement de l'étoile secrète, elle se trouve à côté des dépôts. Donc là, juste ici. Donc là, vous voyez la grosse tête de totem. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui y vont justement. Et là, je vais pas prendre l'arme parce que sinon ils vont me tuer. Normalement, c'est en plein milieu. Voilà, c'est juste ici. Donc je vais juste faire une petite danse. Voilà, pour la petite miniature. Tam, tam, tam. C'est bon, mec. Va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Putain, et il me court après, quoi. Donc, je prends vite l'étoile secrète avant de me faire tuer. Puis après, vous laissez tuer. Ou soit vous finissez la partie. Ou soit vous faites top 1, top 2, top 3. Mais il faut surtout pas quitter la partie comme ceci. Il faut vraiment soit se tuer ou soit se laisser tuer pour que ça valide le défi. Alors là, je vais vous montrer que ça a bien validé le défi. Que l'étoile secrète de la semaine 7 a bien été validée et normalement j'ai gagné un palier. Je gagne plus de palier parce que je suis pas sur mon compte, sur le compte à Johnny. Donc voilà, j'ai plus de palier, mais il a gagné 1000 XP, je crois que c'était ça, 1000 XP. Alors tout simplement, semaine 7, suivre la carte au trésor trouvée à Dusty Divo a été validée. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bro.